Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 欢迎回到 Laura 的法语频道。今天我们一起来分析女神奥黛丽·赫本的法语。奥黛丽·赫本她出生于比利时的布鲁塞尔，在比利时官方语言包括法语和荷兰语，所以赫本有着一个非常好的法语环境。大家待会会看到她的法语说得非常流利优雅，但是其实她的母语是荷兰语，法语并不是她的母语。我们现在就一起来看看她的一个采访小片段。Permettez-moi de vous dire, André Bern, que vous parlez très bien français. C'est trop gentil, merci. 首先这里他说 c'est trop gentil, merci. C'est trop gentil, merci. 这是一个很基础但是却非常有用的表达。当别人夸你时你就可以说 c'est trop gentil, merci. Est-ce que c'est parce que vous êtes né à Bruxelles? J'espère que c'est la raison, oui. Dites-nous, êtes-vous passé par le théâtre avant d'arriver au cinéma? Oui, au fond, oui.Je suis commencé mon carrière comme danseuse de ballet. 这里面有一个小错误是它的助动词用错了，应该说 j'ai commencé comme. 大家尤其要注意 comme 这个词，它非常非常的好用。它表示作为，比如当你想介绍自己的职业的时候，你可以说 je travaille comme 后面接一个不带冠词的名词，比如 je travaille comme professeur, je travaille comme professeur. 我是一名大学老师。再比如我们点菜的时候，服务员会问。Qu'est-ce que tu veux comme boisson? Qu'est-ce que tu veux comme boisson? 你想喝什么？所以 comme 这个词呢，它会让整个的句子结构变得非常的清晰。J'ai étudié le ballet pendant des années. J'ai dansé à Londres. 接着赫本说 ，J'ai étudié le ballet pendant des années. 这里呢，我们可以注意 pendant 这个介词，因为很多同学会把 pendant 和 depuis 这两个介词混淆了。大家只需要记住 pendant 表示。过去某一个动作从发生到结束持续的时间，而 depuis 表示的是过去某一个动作从发生开始到现在持续的时间。比如 j'ai étudié le français pendant deux ans， 意思是我学法语学了两年。那么学法语这个动作是发生在过去的，并且已经结束了。我现在没有再学法语。而 j'apprends le français depuis deux ans， 我学法语两年了。表示的是从我开始学法语到现在一共持续了两年，并且到现在我还是在学。Et un jour j'ai eu la chance de faire deux trois jours au studio dans un film. Et après ça, quatre cinq jours, après ça un petit rôle, après ça un rôle plus grand. Et tout d'un coup, en 52, j'ai fait un essai pour vacances romaines.Faire un essai， 大家可以积累一下这个表达，它表示的是试镜。Pour William Wyler, le metteur en scène, comme vous connaissez。我们听到一个表达 ，metteur en scène 表示的是导演。Et au même temps, la même année, j'ai joué Gigi à Broadway, à New York。这里呢，我们又听到了一个小错误。赫本说 au même temps， 这里他用的是介词 à， 但是表示同时，我们应该用的是介词 en。En même temps， 接着这里有个表达 tout à coup， tout à coup， 它表示突然的。看完这个视频呢，我觉得赫本的法语真的很棒。首先，他在说法语时非常的流利自然，他很好的表达了自己。而且我们注意到，他用上的句子其实都是一些句子结构非常简单、初级的句子，但是他却非常流利的表达了自己想表达的东西。其实只要我们有一个 A2 左右的水平，就可以表达出很多我们想表达出的想法了。最重要的是先把基础打好。Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. 希望这个视频对你有帮助。最后往常一样，如果你正在学习法语，想提高你的法语水平，让你的法语更地道，我推荐你可以看看我的 Lola 法语强化课程系列，以及我的法语电子书 Parlez comme un français. 同时，如果你是一名法语初学者，或者想开始学习法语，我推荐你可以看看我的法语流利说三步走。在上面我会对法语所有的发音和语法进行系统详细的讲解，并帮助你开口流利说法语，大家可以点击置顶评论的链接来了解更多。最后呢，不要忘了点赞和关注我的频道，我们很快下期视频见啦 ，Ciao。